ses amis. Il l'appelle Kalonda. Il sort. Sa femme a entendu aussi cette voix. C'est fini, on n'a jamais vu jusqu'aujourd'hui. La Jacamine a sorti même un journal avec sa photo. On l'a cherché partout. Comme la femme a dit que j'avais entendu la voix de son âme, je m'entends même dans le rêve. J'arrive en Bougemar, une femme me dit, parce que moi je suis devenu stérile, ça c'est une stérile à part. Je l'ai trouvé déjà mariée. Elle n'avait jamais ses menstruations. Elle n'avait rien de féminin. Ni bête blanche. Tout ce qui a trait à la féminité, là, elle n'en avait pas. Mais très fréquente. Avec son mari. Alors quand je commence à parler avec elle, elle me dit tout a commencé avec elle. Elle me dit j'étais en train de dormir. J'entends une voix. C'est pas son vrai nom. Elle j'entends une voix qui dit Annie. Les jours tu vas oser coucher avec les hommes, tu ne vas plus mettre au monde. Elle me dit jamais qu'elle a. Elle avait les bras bien à coucher. J'ai entendu ça après. Il s'est allé à l'autre. Deux ans après. Qui s'est allé à capir. Je commence à vivre avec un copain. Mais les Égyptiens, tu vas voir. J'étais une femme en vrai sens du monde. Il n'est pas mon ami qui est capir. J'avais les règles. Il n'est pas les bouches à la main. J'avais tout. Il n'est pas la fiotte. J'avais les pertes blanches. Tout ce qui est connu comme normal, c'est la femme. Il n'est pas la fiotte. Papa, je couche avec ce garçon. Bah, le même jour, je deviens sèche. Tout disparaît à moi. Quelqu'un peut me dire que c'était Dieu. Ce n'est pas de cette voix. Ce n'est pas que je vous dis. Ça peut ressembler à Dieu comme. Il y a un interdit qui ressemble à un interdit biblique. Si on t'a la lame à la manaume, on t'a. Il te regarde ça, il montre. Ce n'est pas Dieu. Aïe, on va mourir. Dans le monté capabulose. Vous savez que même le diable, à un certain moment, pour ses propres intérêts, il peut parler comme Dieu. N'avez-vous jamais entendu un joueur qui va chercher des fétiches pour être performant? Il commence à marquer beaucoup de buts. Le diable parle comme s'il était Dieu. J'étais coucher avec la femme pour tout, c'est bon. Mais le diable ne le dit pas pour, puisque c'est mauvais. Non? Il le dit pour le piéger. Connaissant que oui, il doit battre la catalane à parce qu'il sait que c'est le ciel pour beaucoup de femmes qui doivent coucher. Alors, il arrive que le diable s'exprime comme Dieu. Mais les intérêts pour lesquels il s'exprime. Son méchant. Il n'a pas eu à taille. En réalité, on l'a sorcellé par une voix. Oui, mais il n'a pas eu à sa route. Oui, c'est notre Dieu, c'est un Dieu de pitié, de miséricorde. La preuve, combien tu as dit qu'il y a des gens avant toi, mille Jésus, tous les bidons, dans le monde, on va y aller, 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 mais en grève de Jésus, on va y aller. Mais à chaque année, il faut qu'il y ait le voile et qu'il te prend. Mais Kassao qui tout comme à mon dos, quand on dit, si pour ta prima kusharati kana manaume, Yahweh n'a pas aimé. Mon dos là. C'était dans les rêves. Deux ans après, elle est soignée. Et après deux ans, elle avait fait cela. Banamuka ou chef de Kali. On avait séché vraiment l'Italie. Banamuka boite mon aime. Puisqu'il y avait un aide contre féminité, était parti. Boite au hasard, il m'a envoyé dans mon boulot. Quand on pensait que c'est Dieu. Ce sont des choses, si on a dit des choses démoniaques. Si on a comme on va voir au fil dans mon monde. Je n'ai jamais vu Dieu venir au monde.
concerne. Et elle a besoin de répéter. Et il n'a pas besoin de passer par nous. Comme on a fait à compiler, mais là, t'as pour avertir, t'as pour nous échanger, à oublier fois de nous, t'as pour faire pour l'amour, ça. Dieu, s'il veut te punir, il va d'abord t'avertir. Si tu ne le fais pas, c'est la grâce qui va te faire. Moi qui ai entendu de le voir. Ni avant que l'espérance à voter. Mais si vous voulez dire, on a souhaité commencer à voir à Dubaï, il n'est pas tout bien. Si vous voulez que tout dise, moi, c'est vrai que vous ne voulez pas dehors. Nous avons un peu pour que ça fasse ça, on a pris un peu pour le bon et fricain. On a voulu qu'on a capable de l'eau, qu'on a ça va tout. Donc, je suis à Saoudi. Parce que j'écoute ces mal à moi. Un autre signe qui va vous montrer que vous avez besoin de la délivrance. Et qu'on est en train de vous ensorceler. Vous allez commencer à vivre des rêves de contrariétés. Je vais m'expliquer. Avez-vous déjà vu des gens, quand ils rêvent qu'ils vont recevoir beaucoup d'argent, c'est alors qu'à tapoter ce que Dieu dit. Vous avez dit que 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 vous avez Quand on a l'autre, c'est dans mon engagement, nous dans mon chacun. Si le président est pour voir l'engagement, c'est là qu'on va les chasser. Quand vous remarquez des contrariétés comme ça dans votre vie, quand ça pourrait être plus grave, si vous êtes dans la Bible, dans la Bible, il est dit, elle est bien assez. Payez vos dîmes, mourir, payez vos dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Les gens qui sont ensorcelés, à qui payer les dîmes, sur la main de la vie. C'est un signe que tu as sorti. Quand vous rêvez des choses comme ça, demandez la délivrance. Un autre signe. Si vous rêvez quelque chose de beau, de bon, ça n'arrivera jamais. Mais dès que vous rêvez quelque chose de mauvais, un homme qui a un don de rêver, il rêve de tout. Je veux l'avertir. Je veux lui montrer un bonheur qui arrive. Moi, il n'y a pas qu'à dire négatif. Mais toi, c'est moi, ce sont des choses négatives. Il l'a dans la bouffe grave. J'ai eu un don de rêver. Gazi à papa, il nous a dit. Je ferai le don papa, il nous a dit. Jamais, on ne sait pas qu'on a l'autre. Ni l'autre, on a engagé Papa Ilunga à la croix chef aux sociétés frères de l'Inactique. Jamais. Non, jamais tu n'es fait d'être pour engager un tel papa ici. Alors, il a été dans l'autre papa. D'ailleurs, quand on lui voit ma place, il faut se déconnecter dans les sources diaboliques qui vont attaquer le monde. Là, il faudrait que tu déconnectes les sources qui vont être démoniaques. Afin que Dieu te fait. Il m'a conseillé. Écoutez, un autre signe qui va vous montrer que vous êtes ensorcelé. Non, non, d'ailleurs, ça, c'est digne à la fin. Ça arrive à beaucoup des ensorcelés. Là, il y a des gens qui ont tué, qui ont été chaloupés. Regardez. Non, d'ailleurs. Vous allez commencer à vivre dans vos sommeils. Des menaces, des terreurs, et des frayeurs. Je répète, tous les ensorcelés ont ceci en commun. Pendant qu'ils dorment, ils auront des menaces, des terreurs. Et des frères. Naoka. Je n'ai jamais vu un ensorcelé. Si tu en as comme tout le monde à Wanyacha, 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 qui a des sommeils tranquilles. Mais il n'y a pas de là-bas. Oui, c'est si vous lisez dans la Bible. Parce que vous dans la Bible. La Bible dit que vous aurez des sommeils tranquilles. D'abord, ils font trop des insomnies. Beaucoup
dans son sommeil ne dorme pas. Il ne dorme pas bien. Il, soit il dort pour une heure, et une heure autre, il fait toujours des petits sifflements. Quelqu'un qui dort, il est toujours. Si tu es dans la même salle avec lui, tu peux même te lever pour le réveiller. Va par moment. Ce sont des petits cris comme ça, des petits chiens. Comment expliquer? Une femme au Katanga. Quand
quand on apprend un mariage, wakati tu anamuoa, stérilité c'est mort. Utasa na idia parima. Il fait, elle fait 6 ans. Anafanya kaka 6 ans. Sans enfant. Bila mtoto. 4 ans. Miaka 4. Sans enfant. Bila mtoto. Dès qu'on la chasse, na wakati tu anamfukuza, elle rentre dans la famille. Anaingia ndani ya jamaa. Elle commence à sortir avec les hommes. Anaanza kutoka na wanaume process. Anapata mimba. Et le meilleur monde. Anaza un bâtard. Anaza. Vous pouvez monter la prendre encore en mariage. C'est l'été. Je connais une femme comme ça. Elle a fait 4 mariages. Quand on la chasse, elle devait faire comme. Et quand je me déshabille, ma mère donne l'ordre au chien de me laver le sexe. Et le chien a commencé à me laver. Toute l'année, le lendemain, c'était fini. Et le phénomène s'est installé. Chaque fois qu'un homme honorable vient me prendre en mariage, et puis parce que je voudrais te dire, moi, tous les 4 mariages ou 5 ou 6 que j'ai connus dans ma vie ont été des mariages civils et religieux. Tous les 3 ou les 4 ou les 5, j'oublie le nombre de fois, tous les mariages ont été d'abord religieux et civils. Mais un phénomène, pasteur, dès que je m'installe au mariage sérieusement, légitimement, je ne veux pas mettre au monde. Tous les enfants que tu vois chez moi là, ce sont des enfants que j'ai fait quand on m'avait déjà chassé du mariage. Phénomène, des événements incompréhensibles. Comment tu vas expliquer ça? Mes amis, je suis à Kipouchi en train de dormir. Le matin, un pasteur de chez moi, Boanège, il m'appelle au téléphone. Pasteur, où y a la Kapokanisa? Nous étions sur Mobutu. Appelez Mobutu. Je quitte la maison en training. J'arrive au bureau. Mais attends, le office. Le pasteur de Montbéli, comment on les engagne? J'entre dans le bureau, je trouve la fille qui a déjà fait ça. Alors je demande, le pasteur était gêné, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit à la fille, je crois que papa est où? La fille enlève la main au niveau des de poitrines. Qu'est-ce que j'ai vu? Une histoire inexplicable. En soi, qu'est-ce que la fille a vécu? La fille est en train de dormir. Vous savez, une fille de 15 ans, 16 ans. Si on voit à cet âge, quelqu'un a toujours une belle poitrine. C'est à cet âge-là que la personne commence à devenir femme. Alors la poitrine est en position vraiment. La soeur dort à cet âge. Mais la nuit, elle voit sa mère biologique qui s'emmène avec un chimpanzé. Elle lui demande à la fille, et la maman demande à la fille d'allaiter le chimpanzé. Elle lui a donné le premier sein. L'homme là, le chimpanzé, a tiré sérieusement. Jusqu'à ce qu'elle avait la douleur. Alors la maman a retiré le chimpanzé. Elle revient avec un deuxième plus géant que l'autre. Elle lui donne-lui l'autre sein. La fille lui donne, nous sommes là de l'aide. Le chimpanzé tire. Depuis la maman est partie avec tous les deux chimpanzés. Ah, la grande surprise de la fille. Elle se réveille. D'abord, elle ne s'était pas rendu compte. Quand elle s'est réveillée, elle pensait qu'elle était pour maman. Là, elle va devant le miroir. Où je préparais de venir à la dévotion matinale. Bando quoi, Mélie, qu'il a dit. Bando. Maziwa yote inafifie, inakwasa ya mama omoe, ukatate mwa wanonata. Chaussette, inakwamia. Et puis, il n'y a pas eu, je ne sais pas. Vous devez vous connaître, vous devez vous connaître.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais qui fait des piquets? C'est mon loc. On a sorcellé. Mais mon loc. En sorcellerie. Un jour, nous vous parlerons dans mon cœur. Il avait 50 maisons au Mouzmaï. Il avait ma camion mané. Il voit qu'il volait là. Il voit dans ma bus, il voit qu'il y a du tout Mouzmaï. Parce qu'il voit le Mouzmaï, papa, quand on s'est réempagné, on va faire le Mouzmaï. Non, puis quand on a tout mis dans mon bus, il se l'a laissé, il y est, 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 il Parce que quand on a vu une mille, mais quand on a bien mort, à quoi on est là, autour de la on a bien une boîte. Une boîte, on a quoi la boulange, papa. Je crois que ça tourne les chavons à la Allez, je suis à la mille, mort et à mort. Tel est le cas là. Au bout des cinq ans, il est foutu. Pas à la tourne, il est là, 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 Donc voilà, bon, il y a quand même ta vie avant de m'avoir. Mais pour ta vie avant de m'avoir, il faut que tu te casses. En tout cas, mon nom va voir que le camion n'a pas ta fesse. Qui a pas un pas au niveau de l'eau, au bada, au wahindo. Mais qui au wahou, qui est dans les lames de rose, nous qui avons sa guerre à ma vie. Il y a la porte à la candidate, à moi, à papa, à l'outaïch. Lui, du moyen, du lambeau, moyen. Elle a beau t'agacer, mais elle ne fera rien. Il m'écoutait, c'est avec le soumois, il est
haitakufanya kitu. Ile Ferrari haitafanya kitu. Ekutumwa e Jehova tete. Nisikie kwa makini na Mungu atakusaidia. Peut-être que Dieu m'a envoyé dans cette ville. Mais qui vous parle toi dans les mouches? Pour te faire comprendre ces choses. Tu lui peux le voir chez lui. Sachez-le très bien. Oui, tout le monde. La voix la plus régulièrement utilisée par le diable. Pour donner la sorcellerie aux gens. La voix la plus principale. Se trouve dans Luc chapitre 21, verset 34. Lisez. Lisez. Luc chapitre 21, verset 34. Par le nom de Jésus. Et Jésus, très fort. Prenez garde. Écoutez, on commence par vous dire que foigna angle. Oui, je sais, hein? Quand on dit foigna angle, prenez garde. C'est que il m'a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de salle dans le monde. Je veux dire, prenez garde. C'est que il m'a dit qu'il n'y a pas. Wendo kufanya angalisho. Sasa Yesu anasema kufanya angalisho na nini? Twende. Prenez garde à vous-même. À vous-même. Les craintes de vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du monde. Les craintes de vos cœurs ne s'apaisantissent pas. Par quoi? Par les excès du manger et du boire. Ah. Première voix. Nanjia ya kwanza. Par laquelle on donne la sorcellerie à quelqu'un. C'est par la voie du manger et du boire. Regardez, Jésus-Christ est en train de faire la relation qui existe entre le fait de manger et le fait d'être touché dans son esprit. Prenez garde. Mon esprit ne s'apaisantisse pas. Donc un esprit peut s'apaisantir. Il est s'appeler à cause de quoi? Dieu a de la nourriture qui est entrée dans la bouche. Dieu a chapoué les médias. C'est bien grave. La nourriture entre dans la bouche. Mais c'est l'esprit qui est touché. Et c'est ça la spécialité de la sorcellerie. De tous les esprits qui travaillent avec le diable. Un seul esprit travaille trop avec le boire et le manger, c'est la sorcellerie. Pour être menteur, on n'a pas besoin de manger quelque chose. Pour être impudique, vous n'avez pas besoin de manger quelque chose. Mais la sorcellerie, elle, pour rentrer dans quelqu'un, elle a besoin d'utiliser le manger et le boire. C'est pourquoi tous les frères non disciplinés, toutes les soeurs non disciplinées, finissent toujours parfois par attraper la sorcellerie. J'ai toujours dit dans mes enseignements, les candidats probables à la sorcellerie, ce sont les frères et les sœurs indisciplinés du point de vue du manger et du boire. Si tu manges n'importe où, n'importe quand, sache que tu es un candidat probable à la sorcellerie. Puisque 80% des gens qui ont la sorcellerie l'ont attrapé dans la nourriture. Et selon moi, ça ce n'est pas la Bible, ce n'est que mon expérience. En tant qu'Israël, en train de servir Dieu, j'ai trouvé qu'il y a trois grandes nourritures très dangereuses et pour lesquelles il faut vraiment être en garde.
la nourriture faite par une personne célibataire. Chakula ambayo ifanywa na mtu mwenye anafunga ndoa. Faites très attention. Fanya angalisho. Quand vous êtes une jeune fille. Wakati uko ndani. Mais il y a un monsieur de votre service qui semble être très gentil. Et chaque jour, et maman, j'ai eu une lettre à Chakul. Et toi, tu penses qu'un garçon sérieux en est peine. La nourriture des personnes célibataires. Je ne lis pas tout, mais en général, c'est une nourriture à problème. Moi j'ai trouvé un monsieur, un jeune garçon, lui-même il me dit qu'il est de 1974. La mère à l'époque l'envoie dans un milieu un peu reculé. Il arrive là-bas. Il trouve qu'il n'avait pas où manger. Il trouve une maman de 1956. À la cité. Il faisait les malewas. Qu'on appelle Maléo. Maintenant, le garçon prend plaisir et après ça fait la courir pour les mamans. Beaucoup de gens l'ont avec bien. On lui a dit, allez plutôt qu'on aille des jeunes. Pour les mamans. C'est bien la vie. Et plutôt, N'ose jamais manger à l'unité d'un célibataire suspect. Vous n'avez pas les matouches qui ont encore la coma à la cabine. Vous savez quand nous avons les points encore comment? Maman et Miguel n'ont pas pour voyager. Maman et Miguel pouvaient voyager. A ôté pour maternité. Où est-ce pour être maternité? Où est-ce que dans ma série d'appareil, c'est le plus bien que son ironie pour ça. Et qui va venir au lieu de commencer à préparer. Ça te dit sur un public. Comme si moi je ne savais pas préparer. Il avait beaucoup souffert de mon émissaire. D'accord, en fait, je n'étais pas encore. Il avait dans sa femme kamikaze, tu connais. Je ne mangeais que des pains. Ta voix dit tu touches la bouffe en cuisine. Je n'étais pas encore dans la cuisine. Qu'on est brillé. Tu en es préparé pour moi. Tout le monde est chez la deux. Et on sera seulement moi. Maman Eliana. Maman Eliana n'est pas là. On a mis Biggie. Et tu prépares pour moi. Qui chasse là, on a son colo. Et après, tu vas commencer à faire la chose. Comme la chose, on va dire bien tout. Maman, oui, mais. Maman, oui, mais vous êtes là. Je ne veux pas de problèmes. Pas de haute, madame, madame, tu as ton carreau à Mambo. Et le monde s'en va de quoi passer les bambous. Vous m'aimez, c'est mon don à protéger. Vous ni expérience avec son nom, mais c'est pasteur ou à courir, courir sana. Allez, on va se couper du maman. Moi, mon expérience m'a montré que les pasteurs qui aiment manger des parfums n'importe où. C'est vrai. C'est vrai, enfin, il faut être totalement sceptique pour avoir ça, 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 je suis tellement pour ma foi, je suis la courir à l'aise. Il y a des endroits où je mange, arrête. Nous, on va faire comme ça, parce que je dis qu'à courir, attends, attends. Et comme ça, pas de qui les portes avec les chakras, mais où la nakouna en main, main. Ma foi, c'est sûr. Il y a des endroits sûrs. Non, hein. Il y a mis au lieu des offrandes, par exemple, quoi, pasteur, réussit tout mandat, par les pieds, chakras, mais ça, c'est. Ni où là, 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 ni mais ça va peut-être la consigner parce qu'il ne peut pas décider à moi. Deuxième nourriture dangereuse. La chakula ya pire ya taille. Toute nourriture. Chakula yote. À l'occasion d'une cérémonie ancestrale. Et il n'a pas de faire ma chérie, moi, qu'elle ne va pas. Faites attention. Fanny a mal échoué. Pour nous, tout ma stima, diakula ya qui a signé. Oh, n'a pas de mon qui a pris tout. Quand ma papa n'a pas de chanier à Fulani.
Attention, il faut faire attention à ce genre de mouvements. C'est là qu'on a sorti beaucoup de gens. Trois. Il y a les nourritures des deuils. Chakula za vilio. Donc, les autres personnes qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en Israël, je ne veux pas vous dire. Ah, parce que c'est ma main. Vous allez voir quand demain je vais prendre. Après ce que vous voulez, il y a une photo. Tu étais mon ami, tu étais mon ami, où m'en viens-tu? On ne parle jamais au monde. Tu vas prendre la photo, tu la mets aussi. Tu la poses aussi. Je préfère, quand on fait prendre mon hommage pour mon tour, tu connais qu'à ta photo, on a dit qu'à quelle soirée. Mes amis, c'est sur l'un de mes amis, un grand homme de Dieu que je connais, qui nous a quittés, a eu une pensée pieuse pour lui. Voilà! Pour lui, comment ça? Papa Esdras. Nous, nous avons honoré du photographe. Papa Esdras. Je me souviens de ton séminaire que tu avais fait sur la sorcellerie. Oh, papa! Là où tu es avec du mal, nous on a montré les musulmans, les musulmans Yahweh. Mais parfois, on a pris quoi? On a pourquoi il n'a pas un musulman? C'est quoi je demande à un ami qui est dans la manie? Parce que les musulmans, pour la plus fort, dans la manie, c'est voir la bombe. On lui dit de porter le bombe. Au cas où elle va les battre dès dans mon paradis. Quand tu veux ces gens, tu vas au paradis. Ça veut dire en Haïti qu'il est mal. Et quand il a cette conviction, à la voir la bombe, il va porter la bombe. Amen, pour Dieu, tu as une guerre. Il va laisser tuer à propos à lui. Mais par Christ, souvent, on a une manie, moi, pas qu'à Yakoukim. Mais il est une fois, c'est moi de la bouche. Il est venu comme quand on a un bouffon à la paix de l'équilibre. Quand il va prendre ses mains, il va perdre son équipe. Pas qu'il y ait des gens qui l'oublient. Si pour moi, maman est venue à la bouffe. Et moi, la bouffe. Maman est venue. Maman est venue. Yo, yo, yo. On est en zone. On dit, mais bouffe. Attendez pas un nouveau cadre. Et il va me donner quelle force. Pas pour dire mon cerveau, il dit, je vais lui donner un nom. Pas pour ma mère, il dit, je vais lui donner un nom. Pourquoi pas vous mettre ma témoignage, je voulais. Moi, je voulais organiser ce jour-là ma témoignage. Oh, oui, en tout cas, la chocolat, mon goût. Bah, mon goût, il date en 1979. C'est quoi la rencontre qui est posée à la mécologie? Bah, oui, il n'y a pas papa. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Vous savez, c'est une boîte de chocolat pour poser ça dans la boîte à ah, Canessa. Oh, l'église. Tout sommet. Lisons. Mais on a une espèce d'attacer pour moi et à causer ma vie qui est bien ou pas. Moi, je ne vais jamais dire ce genre de choses au monde. Ben, nous, ça s'est passé là, oui, à Fichaka. Quand vous avez une question, vous pouvez faire ça. Mais j'avais fait Fichaka. Moi, je vais vous faire ça aussi. Mais après, dans la vie, on va rester à ce mes paroles. On a un peu, n'est-ce pas? Et quand on me demande de parler, je m'adresse au vivant. Oui, on est là, on lui croit. Chers frères et sœurs. Bonjour. Salam. Je vous remercie. De m'avoir accompagné. Je donne une sorte d'historique. Ma maman ici. Elle a souffert pendant 2 ans. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je l'ai amené à l'Afrique du Sud. Ça n'a pas été. Elle est morte. Soutenez-moi. Priez pour moi. Je vais te dire. 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 Je vais te d
Oh mama, c'est piqué. Oh mama, je pense. Mama, c'est piqué. Pourquoi? Piqué! Adam en nouveau. Preuve de l'amour. Il n'a pas de force. La paix pour terre. Oh mama, on se lâche à quoi que je vois dans mon vaisseau là. Quoi? Piqué. Par le monde, c'est qu'à ce point, vous. Vous me comprenez? Deux. Il y a huit. On a un. Non, non. C'est, nous sommes toujours dans la première. Vous comprenez mal. J'ai dit, il la première voie par laquelle on donne la sorcellerie, c'est quoi? Le manger et le boire. Et maintenant, j'ai dit, parmi le manger, il y a trois nourritures très dangereuses. J'ai commencé à donner. Donc, nous sommes toujours dans le premier point. Hein? Mais la deuxième point par lequel on mange la sorcellerie. La sorcellerie entre comment dans quelqu'un? Écoutez, la sorcellerie entre par les rêves. Ça, c'est la deuxième voie la plus excellente. Et d'ailleurs, ce dernier temps, tous les sorciers ont mangé la sorcellerie dans le sommeil. On dirait que le diable a compris que la nourriture c'est tellement connu qu'il a accéléré avec le bouton du deuil. Songe. Sachez que vous pouvez manger la sorcellerie dans le rêve. Pour vous prouver que vous pouvez manger la sorcellerie dans le rêve. Un type qui s'appelle Salomon. Nous sommes dans deux rois, je crois. Chapitre 3. Je crois à partir du verset 5 à 6. Écoutez ce que je vous dis. Un esprit qu'on appelle éternel a paru à Salomon dans le rêve. La rencontre s'est faite dans le rêve. Regardez les choses que Salomon a faites dans le rêve. Il a causé avec cet esprit. Deux. Il a prié dans le rêve. Trois. Il a contracté une alliance avec cet esprit qu'on appelle l'éternel. Mes amis, c'est grave. Une alliance contractée dans le règne. Mais qui sort ses effets dans la règle. Ce n'était pas une alliance faite d'une manière éveillée. C'est pas le règne. Mais ce qui me donne, c'est que les Satans n'ont pas dit que ça ce n'est pas une alliance puisque Salomon n'avait pas tous les sens avec lui. Non. Dieu a accepté cette alliance faite dans le règne. Savez-vous que vous pouvez contracter des alliances dans le règne? Si vous n'avez jamais vu ça, moi j'en connais des frères et des soeurs. Beaucoup qui ont fait des alliances dans le sommeil. Dans le sommeil. Une personne m'a dit qu'elle dormait. Elle a vu une autre personne qui est venue avec une sereine. Et je lui ai dit, donne-moi la main. Il donne la main. On lui pique la sereine. Et on retire le sang. On lui dit à partir d'aujourd'hui, elle est devenue l'un de nous. Et ils sont battus. Une alliance vraie. Ce jour-là. Mes amis, combien de gens ont mangé la nourriture dans les chambres? Une femme, un ancien m'a dit, elle est devenue sorcière comment? Elle voit sa maman dans le rêve. Sa maman écarte les jambes. Elle met un bol du riz entre les gens. Elle donne l'ordre à sa fille de marcher à quatre pas et de venir manger la nourriture entre ses gens.
La femme mange toute la nuit. Le matin, elle devient sorcière. Et la plupart des gens qui mangent la sorcellerie dans le rêve, c'est soit des incroyants, soit des faux chrétiens. Parce qu'un vrai ne peut jamais manger la sorcellerie dans les gens. Jamais. Et je vous dirai pourquoi. Je vous dirai quand nous allons voir les armes de la sorcellerie demain. Et trois, quelqu'un peut attraper la sorcellerie par l'hérédité. Pourquoi si vous êtes dans votre famille, il y a eu des grands sorciers. Il y a eu des grands sorciers. Fais attention. Tu peux te retrouver dans la sorcellerie sans le vouloir. Puisque dans Exode écrivait, Exode chapitre 20, verset 3 à 6, la Bible dit que c'est les malédictions des parents qui peuvent tomber sur les enfants. Dieu dit, tu n'auras pas d'idole dans ta vie. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Des rêves sur les enfants jusqu'à la troisième génération. Donc, si vous aviez dans votre lignée des grands sorciers, il est probable que si vous êtes choisi par ces sorciers, vous deviendrez sorcier. Ça, je vous ai donné l'exemple de celui que j'ai appelé Jean. Un frère en Christ, mais mal affermé. Sa tante est malade. Elle est après même dans le coma. Une tante sorcière comme tu n'as pas eu. Malheureusement pour notre frère Jean, la tante a donné son nom dans le monde des ténèbres. Comme étant celui qui doit hériter de ses pouvoirs. Jean prend le vécu. Il devient à l'hôpital. Il arrive au portail. Comme la chambre était parmi les tout premiers bâtiments de l'hôpital. Il entend les gens qui commencent à pleurer. C'est que Satan vient de mourir. Mais en entendant qu'on lui ouvre le portail, Jean voit au-dessus de la chambre un nuage noir qui monte et qui vient se frapper contre la barbe. Transmission de la sorcellerie. J'arrive à Kinshasa, je trouve un jeune garçon très sorcier. Je lui pose la question, qui t'a donné ce sorcier? Écoutez ce qu'il me dit. Il a un kindo qui n'en a pas. La ronda qui en mode, la lia qui en mode, la mela qui en mode. Le garçon, c'est un neveu. Oui, les quatre n'allaient pas bien. D'un grand général de Mobutu. Je m'appelle Mobutu. Maintenant, il me dit, c'est écoutez comment j'ai eu la sorcellerie. Il dit que le général est venu rendre visite à sa grande soeur qui est ma mère. Il est venu avec ses gars du corps et il avait sa canne de général. Il avait l'habitude de venir chez nous. Ce jour-là, il est venu encore nous visiter. Il a laissé de l'argent à ma mère. Nous étions là, on a joué, il est parti. Il est parti. Le lendemain, très tôt matin, nous voyons son gars du corps qui arrive. Il demande à la maman, est-ce que mon conseil qui a quitté et continué na baguette na yé qui général? Ils ont cherché, ils ont dit, on n'a pas de général à la tafouta journée, mon chemin. Et le général a cherché. Chapeau, il y a des nakam, il y a Kaël. Et son chapeau, il n'a pas jamais vu cela. Le lendemain, il a sa maladie. Et chaque maladie. Le général a la tafouta. Le général est mort. Par la fin de qui dire. On a fait l'idée. Si vous la prononcez, qu'on va la prononcer. Et les gens devaient l'enterrer, on l'a enterré. Par la rondière pour nous. Ils sont rentrés à la maison. Où les garçons en allant là pour vous signer. Et les garçons sont endormis dans le sommeil. En allant là.
général de la Mopacan. Oui, vous voyez, général lui donner la carte. Alors, on prend un chapeau. On a cité son chapeau. Garçon, allez voir. Et le garçon a porté ça. Et la générale, elle a un foyer. Et au moment où le général lui fait ceci. Pas comme ça. Oh, t'es dans mon village, j'en vois la porte. Tous les hommes de son village sont venus à la charité. Et bien, mis sur la chaise. Et j'ai commencé à jouer au tableau de réalité. Et depuis ce jour, il n'a pas encore mangé. Je suis devenu un sorcier. Mais n'avons pas logé par héritage. On vient donner du mais héréditaire. Mais il y a beaucoup de gens. Mais dans elle. Dès la vue de passation de pouvoir général, en a pouvoir, en a un bacan, en a un écoti, en a un écoti, en a un chef. Pourquoi on a fait la loge, Manu? À ta quand même, la réboulière. Dans le et tout. C'est moi, c'est ça. Mais dans le boulot. C'est ça, la loge. Ma mère est dans le chapeau. On l'a pas oublié. Tu vois, quand on a un au moins, on va faire au village. Anakucha pour la famille battre la tarite, mangou vouyak. Il est marché dans la cour, je vous fais la crise. Quand on voit l'attention, il est vite, il est vite, il est vite, il est vite. Si tu ne fais pas attention, ces choses vont venir et vont entrer dans ta vie. Donc, on va faire attention. Et c'est pourquoi il faut faire attention. On a suivi, hein. Il y a une alliance à Polégan et il m'a su qu'on est à Mingi. Et l'autre aussi, il faut que ça passe une transition des mains. Il va prendre bien la picole. Attention, mais pour la salle à Christ, non. Attention, moi je me donne les chrétiens. Mais vous rappelez qui tu es à mon époque. Il donne les têtes à l'époque qui ont la vie. Papa, avant, vous rappelez qui tu es au monde. Avant, tu mets la tête pour qu'on puisse déposer les mains. Il y a pour sûr que nous avons. Sois sûr que ce bon, c'est vraiment un vrai homme de Dieu. Mon lit, c'est au maman. Pose la question. C'est ça, ma mère, ma mère chère. Je lui ai dit dans ma vie. Si n'a pas, on a plein de règles, on n'a pas prophétiquement le bombardier. Et qu'on a fait un miracle, et qu'on a touché un abîme à mon tombeau, et qu'on a un abîme à mon tombeau, et à mon kitoa, ma mère, il est couché, il me pointe à mes voisins. Atani kouadi, atani koukoué tchopi, na koukata, sa sana, sa kèle, mon bichu va le fika, il va faire ma gâte, wangu biyo, jibi me pointe à omite miye ma voisins, ya omite opérateur, wangu, mon famille, et tout la Minto me ia com contato na mão, me disse o uau na imagem, o que na ia como ia me voltar com, me minto me ia com quinze meia, minto rambo a família, assim, vou te dizer minto rambo, não, minto cinco a oito, minto a oito, sei que vai ser bem difícil, minto a cinco a quatro o outro nível, sei que vai ser difícil, minto a quatro Je vais venir, c'est bien dans ce pas. Au moins, tu as failli me dire, ça y a que la maman, 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 dans la vie, il y a des personnes qui sont des pères spirituels. Ah, vas-y, ma chère. Pour qui est père qui n'est pas père. Papa, mon père, tu es père. Si tu n'as pas là. Ah, nous avons 52 ans de ministère. Et avec 52 ans de ministère. Non, non, bien. 52 ans. 52 ans. Puis, ça, quoi, mon mot, comme vous le il ne sait jamais à détruire. Et c'est cet homme-là. Un deuxième. C'est le musée qui t'aime et qui t'aime. Toujours fort. Il avec une seule femme. Il est dans mon amour et moi, je te laisse bien pour toi. Mais vous voulez avoir mon amour d'autre, le rival à mon courroie. Aïe, il faut y aller à mon chère. Hau ta monaka na mamushwa ya unijeria ya niko mwenye kunyondoka ndio bale baba mbili ni baraka ya kwa esse sont ces deux peuples là qui peuvent qui pour moi ala benwa baba
un miracle, un contact, un miracle, tout On a fait un peu de temps. Même si c'est de ces dimensions, mais c'est la personne de même partie.
Mais parce que Fidel Paillet demandait sur le président d'avoir son but, je veux rien vous dire. Mais avant de faire ça, parce que. Il a dit que c'est pas ça, c'est ça. Quand on dit à passer Fidel, c'est pas comme ça. Je confesse. Et que confesse, c'est la confiance. Que Dieu vous bénisse.